Dar dar, dari dari dar kom. 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 Marhaba fi dari. Alors je l'attendais depuis quelques minutes, elle est ici. Je reçois Fidari aujourd'hui, Sarah Rjil, marhaba bik, professeure d'arabe, animatrice TV, maman de Ayla Taline, créatrice de contenu mais surtout influenceuse, une engagée dans la sensibilisation et le développement personnel. Connue pour sa douce voix et sa sagesse, Sarah a très vite gagné en popularité. Elle partage son quotidien, ses conseils et ses leçons de vie avec sa communauté. Elle vous aidera à vous libérer des mauvaises pensées, s'entourer des bonnes personnes, donner sans compter. Et si elle est aujourd'hui avec nous, c'est pour compter sur elle, pour s'associer à notre opération « Un enfant, un jouet, un sourire » qui consiste à offrir un jouet neuf ou recyclé le jour de l'Aïd à des enfants hospitalisés. Quant à vous, cher auditeur, eh bien Sarah est là et je sais qu'elle cuisine admirablement. Vous avez que quelques minutes si vous voulez qu'on vous offre un super cadeau, si vous devinez quel est le plat qu'elle cuisine, qu'elle excelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être venue. Avec Marhaba plaisir. Bik. Avec plaisir. Alors, j'ai l'honneur. Merci beaucoup. Pour alors Sarah a la voix douce. Alors c'est quoi cette voix douce? C'est grâce à votre voix que vous avez réussi à capturer des millions de followers, de personnes qui vous suivent, Sarah? Apparemment, oui. Oui, je pense qu'il y a le petit secret de ma réussite. Et quelle est la première phrase qui a capturé les... La tantadir sa'ada isna'i anti sa'adataki. La tantadir sa'ada isna'i anti sa'adataki. Ça peut marcher à anta aussi. معليش انت انا خويا اعتقد انك صنعتها عندك D'ailleurs, je l'avais vu cette vidéo et puis je me suis dit et nous كانت la première vidéo اللي درتها بهذا البروفيرب اللي انا كتبته parce que en fait حنا دائما نعلقوا البونور تاعنا على كاش حاجه وي كيجوني الدراري نفرح كي نشي طونو بنفرح on s'attache toujours à quelque chose qu'on n'a pas encore voilà. Fluff and count, avec le temps, découvrir mais pas forcément heureux. En fait, moi, je pense avoir appris quelque chose dans la vie. J'ai pas envie d'être un peu philosophe. C'est-à-dire que le plaisir, c'est avant d'avoir la chose. Dès qu'on l'a, c'est fini. Bien sûr. Je voulais une voiture. La route. Le fait de l'avoir, voilà. De ne pas l'avoir, j'ai souffert un peu. Après, je l'ai eu. Voilà, parce que كون عندك هذاك l'envie, شغف كيما نقولوا حنا, يكون عندك الشغف باش تلحق ليه, باش دير. C'est le bonheur sur la route, sur le voyage. C'est le voyage. Voilà, j'espère que vous avez fait un bon voyage pour venir nous voir. Alors, je sais qu'il a été très très difficile. Alors, très difficile. Alors, Sarah est venue aussi avec... Petite blackwater. C'est du Sarah. Et en plus, elle est venue, mais en tout cas, elle n'a pas oublié la chose la plus importante. C'est qu'elle nous a ramené un jouet. Et ça, c'est le jouet, on va dire, de Ayla Taline. Hein? Ayla Taline. Taline, pardon. Taline, je suis désolé, je ne parle pas turc aussi bien que... Alors, je pense qu'on a un appel. Alors, et elle s'appelle Sarah. Comme par hasard de Saïda. Je ne sais pas si c'est une follower ou... Sarah, bonjour. Marhaba. Bonjour Mehdi. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Bonjour Sarsora. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, Sarah de Saïda? Oui. J'aime beaucoup Sarah Rizil. Merci beaucoup. Vous la suivez? Vous la suivez? Qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir, Sarah? Je pense que je n'ai pas partagé le berh ou ce qu'il est. Et alors, qu'est-ce que vous suivez? Vous la suivez le matin, le soir? Comment que ça se passe? Non, des vidéos comme ça, c'est tout. Et est-ce que vous avez suivi ces fameuses vidéos de développement personnel? Non, parce que nous n'avons pas les mêmes plats. C'est l'Ouest et le Nord. Ah non, elle parle des plats, elle ne parlait pas de développement. Vous faites quoi dans la vie, Sarah? Je suis à la maison. Vous êtes à la maison. Et vous suivez donc tout ce qui se passe chez elle. Vous savez qui vient, qui ne vient pas. C'est live. D'abord, voilà, quand elle a fait un live, vous la suivez. C'est bien ça?
Non, pas beaucoup, mais je le connais très très bien, et même sa fille, Tourine. Elle a quel âge, sa fille? Presque un an. Presque un an, elle confirme. Elle a presque 10 mois. Bravo, ça. J'aurais pu poser la question sur le l'âge, vous auriez gagné. Alors, à votre avis, quel est le plat que cuisine bien notre amie Sarah? J'avais pas, non. Et donnez un plat, essayez. essayez. Merci pour votre proposition, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, merci Sarah de nous avoir appelé. Qu'est-ce qu'elle a dit? M'tou, elle avait dit m'tou, elle pensait à autre chose. Merci beaucoup. En deuxième position, m'tou, de toute façon. Alors Sarah, quand tu fais tes publications là, comment les gens prennent les choses? Est-ce qu'ils t'ont... Bon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui te félicitent, qui aiment bien, qui choisissent tes conseils. Ils les prennent en... Comment tu vérifies que ces conseils sont pris en compte? Quels sont les retours que tu as? Bon, mais généralement, je suis vraiment des conseils. Le développement personnel, c'est pas des conseils. C'est quoi alors? Genre des... C'est des orientations. À peu près. C'est des expériences de vie. Les Saraoul Nes, par exemple, ou la Saraoul Iliya, pas forcément l'IA, parce que généralement, Hnaya, qui m'a dit tellement le kitab est jamil ou le kissa muhkama, dhannouha bli kissa tel kateb. Oui, c'est vrai, c'est bien. عادة انه الكاتب ما يكتبش على نفسه. يكتب على واش يشوف واش يتعلم ايتو. يمد لي زيكسبيريونس هذوك للناس. سي دي زيكسبيريونس اللي بالك نعرفوهم كاع. دي موا كيل لي زيكسبيريونس كو tu as partagé à toi, ta propre expérience. Ma propre expérience, c'est la fertilité. J'ai passé 6 ans sans enfant. Oui. Alors avant, j'ai hésité un petit peu de partager cette histoire avec le grand public, mais après parce que tu vois les femmes les salles d'attente entre les médecins qui souffraient énormément de ce problème, voilà. Tu as dit moi j'ai le même problème. Ou là un sujet tabou. Pourquoi? D'accord, ok. Le bon Dieu ou l'imed, subhanou. Ok. Ou même le Coran qui te parle, il te dit wahabna, hiba min andou. Et au bout de 6 ans. 6 ans. Le miracle fut. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. La complète leur l'histoire billi alhamdoulilah. La qoba el khouha. Comme dit. Inchallah. Ou la khouda. Tu tu peux avoir aussi Inchallah. Tu peux avoir des jumelles comme tu peux avoir aussi des jumeaux. Ça serait bien. Non, mais c'est beau d'avoir des... En tout cas, après une souffrance de 6 ans, là, c'est quand même une expérience émotionnelle que les gens ont partagée avec bien toi. Sûr. Okay, bien okay, sûr. Okay, c'est okay. Pas facile. C'est pas facile. Alors, on va partager autre chose. Kahina! Kahina! Oui. Assalam, Kahina! Le plaisir est pour moi, ma chérie. Merci. Handiro place pour Mehdi. Non, parce que d'abord, Sarah, je vais vous dire quelque chose. Sarah m'a... on a été invité dans une émission, Jilsa Winsa. On avait discuté, on avait sympathisé, je la connaissais pas, je l'avais déjà suivi sur les réseaux. Et puis elle m'a dit, écoute, un jour, ça serait bien. N'ahlem bla radio, même bekel. Voilà, j'ai dit, avec plaisir. Alors elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien faire un jour un petit passage. Et bien, partent l'occasion parce qu'elle a un enfant. Et j'ai dit pourquoi pas une influenceuse qui fait des choses positives. Voilà. Et ça fait plaisir. Et vous faites quoi dans la vie, Kahina? Donc, je suis étudiante, je suis maman. Étudiante maman? Comment vous faites? Je suis enceinte. Oh, pardon, attendez, ça fait un peu trop. Attendez, vous êtes enceinte. Oui. Et vous êtes étudiante de quoi? Vous étudiez quoi? Je suis en master de chimie analytique. Ok. J'ai un enfant qui a 18 mois. Et vous avez un mari en plus? Un enfant 18 mois, ou est-ce qu'elle est enceinte en plus? Oui. Elle a...
Non, normalement, non, on n'applaudit pas. Elle n'a pas respecté l'espace. L'espacement des naissances. Oui, mais l'espacement des naissances, quand la maman a l'espace d'une. Elle a fait une carrière, Camina. Surtout, elle a le repos, Sarah. Surtout, elle a le repos vraiment sur le. C'est pas facile. Combien de mois de grossesse? En effet, troisième mois. Ça va. Dar 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 dar
الاحفاد. دار داري داركم.